Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à l'Église baptiste de Pointe-aux-Trembles. Merci Seigneur pour cette communauté, cette famille. Soyez à l'aise en famille. On donne la bienvenue à tout le monde, à les personnes qui nous visitent pour la première fois et puis tout le monde qui est devant les caméras, à la maison aussi, sur Internet, YouTube. Alors, c'est vraiment un plaisir, un privilège d'être dans l'Assemblée du Seigneur. Et puis, on va commencer avec la lecture biblique dans le livre de Hébreux, chapitre 5. On va lire de les versets 1 jusqu'à les versets 10. Hébreux, chapitre 5, pour tout le monde qui a la Bible, pour ouvrir la Bible, on va lire ensemble. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus n'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit aussi ailleurs: Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Je m'appelle Marco Cordova, et puis encore une fois, je veux remercier le Seigneur pour ce privilège de lui servir, et puis on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité de nous réunir dans ton assemblée. On se tourne vers toi, Seigneur, pour te donner la gloire, la reconnaissance. Merci pour ton sacrifice dans la croix, pour ton obéissance, pour ton amour. On veut t'aimer, on veut t'obéir. Seigneur, merci encore une fois. Tu es bon, tu es miséricordieux avec ton peuple. Et maintenant, on va te louer. On veut te donner toutes les louanges et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. J'invite à l'équipe des louanges de s'approcher. Bon matin à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Par contre, avant de commencer à louer le Seigneur avec des chants, je vais vous inviter à prendre une minute de silence pour remettre tous vos péchés, tous vos fardeaux et juste retourner au pied de la croix avant de commencer à chanter au Seigneur. Donc, je vais vous inviter juste pour un petit moment de fermer vos yeux, concentrez-vous et vraiment remettez tout au pied de la croix avant de commencer à chanter.
Chantons à l'Éternel ce matin d'un cœur sincère et repenti. Venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons. Soit rendu au roi des cieux, qui est venu pour nous et qui vient pour nous, qui tient devant nous et qui tiendra devant nous, qui s'est abaissé à nous et qui ne cessera jamais d'être notre appui. Ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous.
cœur te suive et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Dieu, ta fidélité va jusqu'au
Pour les siècles des siècles, Seigneur. Seigneur, bénis cette assemblée, Seigneur. Que ta parole puisse nous être enseignée, Seigneur, et révélée, Seigneur, à travers ton serviteur qui va amener ton message ce matin, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse avoir des yeux qui puissent voir, Seigneur, des oreilles qui puissent entendre et écouter, Seigneur, et une pensée qui puisse être renouvelée à l'intelligence, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur, soit avec les enfants et les moniteurs, Seigneur, que les enfants puissent avoir un cœur ouvert, Seigneur, et des oreilles réceptives à Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, et que tout soit fait dans ton bon plaisir, Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils mort à la croix pour nous. Amen. Bonjour, je m'appelle Jay et c'est mon privilège ce matin de venir et de
d'enseigner la parole de Dieu. Et alors, c'est un passage qui est vraiment intéressant. Je ne suis pas certaine si je suis à l'auteur de tirer tout ce qu'il y a dans ce passage. Si on peut avancer le diapo. Lorsque tu vas obéir, pourquoi est-ce que tu obéis? Quel est le motif qui te pousse à obéir? Et lorsque je regarde pour moi-même, je regarde ma vie, je pense que souvent, mon obéissance est liée à la crainte. Liée à la crainte des conséquences, liée à la crainte de qu'est-ce que quelqu'un d'autre va penser à moi, penser de moi, ou souvent, c'est juste, s'il y a une loi, s'il y a un engagement ou quelque chose comme ça, je me vois comme une personne qui, probablement trop souvent, j'obéis à cause d'une crainte quelconque. Et ce matin, le message est l'obéissance fondée sur l'amour. Nous allons regarder comment Jésus a obéi et pourquoi Jésus a obéi. Alors, si on peut avancer, je vais lire le passage. Nous voyons Jésus ici où il commence une période vraiment difficile, n'est-ce pas, qui va le conduire jusqu'à la croix. Et par la suite, je pense que tout le monde sait qu'il y avait la résurrection aussi, alors ce n'est pas un spoiler, mais on commence une période qui est vraiment intense et très différente dans le ministère de Jésus. Alors, nous sommes en Luc 22, verset 29. Ça, c'est le second 21. Il sortit, Jésus, et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, » c'est-à-dire qu'il parle de la coupe d'aller à la croix. « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Si on peut avancer. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors, il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? » Lavez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, un de ses disciples, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? » Si on peut avancer. Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez! » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite au chef des prêtres, au chef des gardes du temple, et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter. Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Alors voici la parole de Dieu. Alors, il y a trois points que j'ai trouvés dans le passage. L'amour malgré la coupe, l'amour malgré les déceptions et l'amour malgré la trahison. Si on peut avancer, l'amour malgré la coupe. C'est intéressant, ici nous voyons, et dans l'évangile de Luc, cette portion de l'écriture est,
est plus compact que dans d'autres évangiles. Mais ici, nous voyons très courtement Jésus qui dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et c'est lorsque j'ai étudié le passage, j'ai pensé à, ici c'est très bref, mais dans d'autres évangiles, si on regarde, il y a plus de détails. Mais c'est vraiment intéressant de voir dans tout le ministère de Jésus, Jésus avançait, prenait chaque situation en contrôle, savait exactement quoi faire. Et ici, nous voyons Jésus, au moins selon mon esprit, là, la première fois où on voit un Jésus qui s'arrête et qui hésite et qui dit « Je ne veux pas avancer. » Et alors, c'est surprenant. Si nous pouvons avancer, c'est intéressant de voir dans le ministère de Jésus, tout au long de ce ministère, Jésus avait une mission. Il savait qu'est-ce que c'était sa mission. En Luc 9, 51, lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Alors, Jésus savait qu'il avait un rendez-vous à Jérusalem. Le rendez-vous était sur la croix et qu'il mettait son regard et il disait, « OK, on va aller vers Jérusalem. Je sais que maintenant, c'est le temps que je suis censé d'aller. Il y a une série de choses qui vont s'accomplir et finalement, je serai crucifié. » On voit en Marc 10, 45, cette même idée où Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. » Alors, Jésus avait une mission, il avait un engagement. Il était envoyé sur terre pour porter le prix de nos péchés. Et il était résolu dans sa tête que « Moi, je vais accomplir la mission que le Père m'a donnée. » Mais c'est vraiment incroyable de voir rendu au point où les choses vont commencer à se précipiter très rapidement. Jésus hésite. Jésus dit, « Ah, si seulement je pourrais passer par cette coupe. » Si on peut avancer, c'est intéressant de voir, même avec plusieurs prophéties, c'était tout prévu depuis des siècles. Isaïe, le livre d'Isaïe, était écrit 500 ans avant que Jésus ait apparu sur terre. Mais regardons, ça dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, nous les êtres humains. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, sur le Messie, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Vous voyez une prophétie de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures dans la vie de Jésus-Christ. Et il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et vous commencez à voir l'angoisse dans le jardin. Jésus commence à expérimenter l'angoisse liée à qu'est-ce qui va se passer. « Et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Et nous allons voir dans la série de choses qui vont se passer. C'est exactement, ces détails ont été accomplis. Et ici, le verset 10 est tellement bizarre, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Bizarre, n'est-ce pas? Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 500 ans avant que Jésus mette le pied sur terre, des prophéties comme ça sont déjà dans les Écritures. Jésus sait exactement pourquoi
il était incarné, il arrive au jardin, il dit, oh, est-ce que j'ai vraiment besoin de compléter cette mission? Quelle était cette coupe? Je crois que nous ne pouvons pas comprendre. Je crois que nous sommes incapables de vraiment comprendre le poids de la coupe que Jésus a bu. Parce que dès que sa vie était parfaite, il est saint, il était toujours en communion avec son Père, il était toujours en communion avec l'Esprit Saint. Et un moment va venir où les péchés des hommes seront mis sur ses épaules, et en ce moment-là, toute cette relation qui existe depuis toute éternité sera brisée. Jésus va porter les péchés du monde et il sera plus saint, il sera plus parfait. Et que cette communion qu'il vivait, si finalement la Trinité, c'est comme la Trinité est arrachée. Assez intéressant de voir. Et l'amour de Jésus-Christ. Premièrement, on voit l'amour pour son Père. Pourquoi est-ce qu'il a obéi? Parce qu'il aimait son Père. Il voulait faire la volonté de son Père. Mais ce n'est pas juste ça. Jésus a aimé ses disciples. Nous allons voir plus tard dans la prédication à quel point Jésus pensait, pas juste à lui-même, mais tout au long de qu'est-ce qui se passait, c'est qu'il pensait à ses disciples. Il aimait profondément ses disciples. Et nous savons, en regardant Jean 3, 16, que Jésus aimait le monde. Et nous voyons que Jésus a aimé son Église. Il voyait l'Église. Un cœur rempli d'amour, une obéissance fondée sur l'amour. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu reconnais l'amour de Jésus pour toi qui a suscité son obéissance? Et moi, je crois non. Moi, je crois pour moi-même. Je ne reconnais pas assez profondément tout ce que Jésus a fait pour moi. Je pense que c'est vraiment difficile pour moi de saisir qu'est-ce que c'est cette coupe et qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que ce qui est vraiment incroyable, c'est que Jésus, tout au long de son ministère, il n'y a rien qui l'a vraiment effrayé, n'est-ce pas? Alors, il est toujours comme quelqu'un en contrôle de tout, il n'est pas surpris par les choses. Et ça, ce n'est pas une surprise. Mais il arrive là et il dit, « Wow! » Ça, c'est tellement difficile. Il est pris profondément dans ses émotions, l'angoisse. Est-ce que c'était du sang qui sortait ou est-ce que c'était le sueur? Il y en a qui disent les deux. Mais c'était quelque chose qui le touchait tellement profondément qu'il était saisi et même un peu effrayé. Et si tu reconnais l'amour que Jésus avait pour toi, comment est-ce que tu transmets cette reconnaissance? Tantôt, Marco et moi, on parlait d'un livre qu'il lit, certains écrits de Dietrich Bonhoeffer. Et Dietrich Bonhoeffer a écrit un livre qui s'appelle « Le prix de la grâce ». Et ce livre a été écrit par Dietrich Bonhoeffer, qui vivait pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement pour souligner le prix que Jésus a payé et que la grâce que nous avons reçue en tant que chrétiens, ce n'est pas une grâce à bon marché. Je pense que nous avons tendance parfois, lorsqu'on reçoit quelque chose gratuitement, on a tendance à ne pas apprécier quelque chose qu'on reçoit gratuitement,
comparé à quelque chose pour lequel nous avons payé un grand prix. Mais il faut comprendre que Jésus a payé un grand prix pour qu'est-ce que nous avons reçu. Il faut comprendre que lui, avec amour pour chacun de nous, chaque personne qui a mis sa foi en Jésus, l'Église, son Père, il a passé par quelque chose que nous ne pouvons jamais comprendre. Nous ne pouvons jamais saisir la profondeur de ça, à mon avis. Et quand même, ça vaut la peine d'essayer de comprendre ça. Bonhoeffer a médité beaucoup sur la croix et par ses méditations, il a saisi plus profondément le prix que Jésus a payé. Et la grâce que nous avons reçue, ce n'est pas une grâce bon marché, mais c'est une grâce qui est très chère et qui a coûté beaucoup. Et nous voyons une partie de cela dans le jardin. Si on peut avancer, cet amour de Jésus-Christ est encore plus grand et plus impressionnant pour moi parce qu'on voit cet amour malgré les déceptions. Et les déceptions sont plusieurs. Alors, en verset 46, « Alors il leur dit à ses disciples, « Pourquoi dormez-vous? Lèvez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Jésus était entouré par des disciples pendant des années et finalement, lui, il faisait constamment pour ses disciples. Il y a un point dans leur relation où lui, il a besoin d'eux. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils étaient là? Non. Non. Ils étaient faibles. Ils étaient eux-mêmes pris avec des émotions. Ça dit même dans le texte qu'ils dormaient de tristesse. Je ne comprenais pas ça, mais peut-être quelqu'un d'autre peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de dormir de tristesse. Mais les disciples, au moment où Jésus avait besoin de ses disciples n'étaient pas là. Le moment le plus important pour soutenir leur maître. Ils étaient faibles. Ils étaient absents. Et je pense que ça arrive à nous tous. Hein? Si tu te comptes comme un disciple de Jésus-Christ, combien souvent, lorsque c'est quelque chose de très important, nous pouvons être là et pas tenir notre responsabilité, pas tenir notre part. Et il y a une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle là-dedans. La mauvaise nouvelle, c'est que je pense que nous sommes comme les disciples de Jésus et nous sommes souvent pas aussi loyaux, aussi engagés que Jésus aimerait que nous soyons. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Jésus, l'amour de Jésus-Christ, existe pour nous malgré les déceptions, malgré le fait que nous décevons Dieu dans notre manière d'essayer de vivre la vie chrétienne, de disposer de notre temps, de nos trésors, de nos talents. Si on peut avancer, qu'est-ce que tu fais lorsque tu déçois Dieu? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu réalises que tu as failli dans ta vie chrétienne? Tu as péché, tu as fait des choses pas correctes. Et c'est intéressant de voir dans la vie de ses disciples, nous voyons qu'ils ont tous fait des erreurs incroyables. Même ce qui est surprenant, si l'apôtre Pierre décide de sortir une épée et de couper l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Et c'est un petit détail. Et Jésus va guérir cette oreille-là. Mais finalement, ce que Pierre faisait avait la possibilité de vraiment dérailler l'Église. Parce que plutôt que d'être un groupe de disciples avec un rabbin,
paisiblement va enseigner dans le temple et parler de qu'est-ce que c'est de suivre Dieu, nous commençons à avoir une gang qui commence à utiliser la violence. Et il aurait pu vraiment créer des problèmes. Et Jésus règle cette affaire-là et avance. Ce n'était pas juste les disciples qui étaient une déception. Parce que dans la semaine précédente de cette soirée, le dimanche des rameaux, il y avait toute une foule de personnes qui proclamaient Jésus, qui parlaient de Jésus comme roi. Et nous allons voir, lorsque c'est le temps de décider entre Barabbas et Jésus, la foule va choisir Barabbas, un criminel. Et la foule va dire, qu'est-ce qu'on devrait faire avec Jésus? La foule va dire, crucifie-le. Alors, il y avait une grande foule qui célébrait Jésus comme roi. Et il y avait une autre foule à un moment donné. Je ne sais pas combien de ces personnes étaient les mêmes. Qu'eux aussi vont trahir, vont décevoir Jésus. Alors, si on peut avancer, il y a un troisième point, l'amour malgré la trahison. Verset 28 de chapitre 22, Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » C'est Judas, un de ses disciples, c'était prévu que Jésus allait perdre un. Et il a parlé de ça pendant la scène, le souper de Pâques. Mais ici, il confronte Judas avec la trahison qu'il fait. Et à quel point Judas a décidé vraiment, c'est inexplicable. Plus tard, il va se suicider. C'est inexplicable comment il a décidé de se tourner contre Jésus. Et moi, je tiens toujours à l'idée que si jamais Judas reviendrait à Jésus pour demander pardon, je crois que Jésus lui aurait donné pardon pour qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est incroyable qu'il va trahir Jésus avec un baiser, avec une signe d'amour et d'affection. Et aussi, nous voyons dans le verset 53, où Jésus dit aux autorités spirituelles, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Une trahison de la part des autorités spirituelles, qui plutôt que reconnaître le Messie pour lequel ils avaient prié depuis très longtemps, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter le ministère de Jésus. Par mensonge, par manipulation, par plusieurs moyens, complicité avec Rome, tout ce qu'on peut nommer, plutôt que de faire la volonté de Dieu, ils faisaient ce qui était clairement hors de la volonté de Dieu. Même s'ils étaient confus, ils ont décidé de faire des choses qui étaient injustes, incorrectes, pas selon la parole de Dieu, pour arrêter Jésus-Christ. Et c'était une autre forme de trahison, ainsi que le peuple qui a décidé de dire « crucifie-le », une autre forme de trahison. N'oublie pas que Jésus, lorsqu'il est venu à Jérusalem, a pris un moment en regardant la ville. Il était sur le mont des Olives. Et là, il regardait la ville, il priait pour la ville, il pleurait pour la ville. L'amour qu'il avait, même pour les personnes qui vont le trahir. L'amour de Jésus qui dépasse toute compréhension que j'ai
de qu'est-ce que c'est l'amour. Plus tard, il y a plusieurs pharisiens, un nombre de prêtres qui vont mettre leur foi en Jésus-Christ. Après que l'Église est fondée, l'Esprit arrive et travaille dans le cœur des croyants, dans le livre des Actes. Et c'est vraiment intéressant de voir comment Jésus est prêt à recevoir tous ceux qui reviennent à lui. C'est peut-être ce matin, tu penses que moi, j'ai trahi Jésus d'une manière quelconque. J'ai fait telle ou telle chose. Ou Jésus est déçu lorsqu'il regarde ma vie de disciple, ma vie chrétienne. Mais ici, nous voyons que Jésus, son amour est tellement profond qu'il est capable de recevoir ses disciples après tous leurs manquements. Il est prêt à même recevoir des prêtres et des pharisiens qui s'opposaient à lui plus tard lorsqu'il décide de mettre leur foi en lui. Et c'est vraiment incroyable les profondeurs de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ pour chacun de nous. Alors nous voyons, je pense qu'il y a deux choses à comprendre un peu à travers ces idées. La première, c'est de comprendre l'amour que Jésus avait pour son Père, pour l'Église, pour le monde, et même pour la ville de Jérusalem. Et que malgré la difficulté de la coupe, c'est l'amour qui l'a poussé à obéir. Et de prendre la coupe et de dire, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et pour chacun de nous, nous avons quelque chose à comprendre là-dedans. Comprendre la difficulté de la coupe, comprendre la difficulté de cette décision de la part de Jésus, reconnaître l'amour que Jésus a eu, le recevoir, de tenir sa ferme parce que nous en avons besoin. Et de l'autre côté, de comprendre que chaque personne qui met sa foi en Jésus-Christ, Jésus désire que nous devenions comme lui. Si Jésus ne veut pas que mon obéissance soit basée sur la crainte, Jésus désire que mon obéissance soit basée sur l'amour. Jésus désire transformer chacun de nous pour que nous puissions être des personnes qui, face à des décisions difficiles, des situations vraiment difficiles pour nous, que plutôt que réagir par crainte de telle chose ou telle chose, les conséquences, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, que nous commençons à agir par amour. On fait la bonne chose parce que notre cœur est plein d'amour pour les autres. On commence à vraiment aimer les gens, même nos ennemis, comme Jésus nous a aimés, comme Jésus a aimé ses disciples et comme Jésus a aimé ses ennemis même, malgré tout. De comprendre que la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ aussi n'est pas une grâce bon marché, mais que c'est une grâce qui a coûté tellement cher. Et que Jésus mérite des disciples qui sont reconnaissants et qui désirent vivre comme lui l'a vécu. Parce que la bonne nouvelle, c'est que chaque personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ a reçu son esprit. Et ça veut dire que l'esprit de Jésus, l'esprit de celui qui a choisi le choix le plus difficile par amour, c'est son esprit qui habite en nous. Et nous avons la possibilité d'être transformés et de ne plus être des personnes qui prennent nos choix et vivent nos vies par crainte, mais que nous pouvons vivre nos vies fondées sur l'amour. Prendre nos décisions par amour. Vivre notre vie
ici-bas par amour. Parce que si Jésus a fait ça et nous avons son esprit, il désire transformer nos cœurs et rendre nous des disciples qui agissent selon l'amour. Ça, c'est une possibilité pour nous. Lorsque nous venons devant lui, nous demandons que son esprit vienne et nous diriger, et transforme nos cœurs, nous montrer les motifs de pourquoi nous faisons des choses. Alors, si on peut avancer. Ce verset que j'ai mémorisé très tôt dans ma vie chrétienne a plus de sens pour moi aujourd'hui. Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et c'était toujours intéressant pour moi d'essayer de comprendre l'obéissance et l'amour, ces idées qui sont dans ce verset. Mais maintenant, je comprends mieux. Parce que Jésus a vécu ce verset. Jésus a obéi et son obéissance était fondée sur l'amour. Et il nous demande de faire la même chose. Et plutôt que vivre avec une grâce de bon marché en tant que chrétien, de vraiment comprendre tout ce que Jésus a fait, de reconnaître les sacrifices faits, combien la coupe qu'il a bu était amère et difficile. Et finalement, pour nous, dans notre vie chrétienne, d'obéir, mais d'obéir avec un amour profond pour Jésus et pour le Père et pour le Saint-Esprit et pour les autres autour de nous également. Alors, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, si on peut avancer le dernier diapo. Ma mère avait cette citation dans son portefeuille, en anglais, évidemment. Alors, ça vient d'Oswald Chambers, et je pense que c'est vraiment intéressant. « Si Dieu a rendu ta coupe douce, bois-la avec grâce, avec gratitude. S'il a rendu amère, bois-la en communion avec lui. » Jésus a bu la coupe amère pour nous. Et lorsque nous souffrons, nous pouvons toujours boire la coupe de la souffrance avec lui. Et j'espère que nous pouvons apprendre à souffrir par amour et obéir par amour comme Jésus l'a fait pour nous. Prions. Père Céleste, quel cadeau, quel énorme cadeau que nous ne pouvons pas comprendre. Un jour, peut-être, on va comprendre l'ampleur de ce que Jésus a fait. L'ampleur de cette coupe amère qu'il ne voulait pas boire. L'ampleur de toutes les déceptions, les trahisons. L'ampleur de l'amour qu'il avait pour toi et pour nous. Père Céleste, aide-nous à comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour nous? Et le prix que ça vous a coûté, toi, l'Esprit et Jésus, de nous introduire dans ton Église. Merci pour cette grâce. Merci, malgré qui nous sommes, l'amour que tu as pour nous et le désir que tu as que nous devenions de plus en plus comme Jésus, ton Fils. Nous prions son nom. Amen. Je vous invite à vous lever.
soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est là. Le verset 5 du psaume 93 nous dit « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. » Amen. Thank you.
Merci Seigneur pour ces moments de louange. Merci à l'équipe de louange. La vie en communauté, ça continue. On apprend chaque jour. La parole et louange, ils nous touchent. Nous puissions apprendre à lui aimer, à lui obéir mieux chaque jour par sa grâce et puis par la connaissance de son sacrifice, amour et obéissance. On va essayer de retenir ces deux mots. Et puis on va continuer sur l'amour parce qu'on est dans le... dans les moments de les annonces. Et puis, on vit dans une vie d'église. Alors, on va commencer avec l'invitation à lire les plans de lecture. Et puis, c'est notre frère Alex qui va nous présenter un plan de lecture. En tant que communauté, en tant que famille, on doit partager la parole entre nous. Et puis, Alex, tu peux nous expliquer. Bienvenue. Bonjour, l'église de Pont-au-Trembe. Alors, je suis Alex Roy, je suis là devant vous pour vous inviter à participer à un plan de lecture afin de préparer la Pâque en communauté. L'année dernière, on a eu une très belle expérience et on a vécu cette expérience en communauté où les frères et sœurs ont eu l'occasion de partager leur témoignage, leur méditation entre eux. C'était un moment vraiment béni. Cette année, ça va être encore plus intéressant parce que nous avons un plan de lecture qui retrace l'histoire de la Pâque à travers de courtes vidéos suivies de trois questions de méditation et la lecture des textes appropriés. C'est vraiment intéressant. On a déjà commencé, on a eu déjà de très très belles rétroactions. C'est vraiment un moment béni. Je vous encourage grandement. Et ce plan de lecture va se porter sur l'histoire de la Pâque. Alors, c'est très très facile d'y adhérer. Et je vais vous inviter à ceux qui ont reçu la lettre de rappel. Ils ont le lien. Si vous avez déjà l'application, ça va être très très facile en cliquant sur le lien et ça va vous amener directement sur le plan de lecture. Pour ceux qui n'ont pas encore l'application YouVision, nous avons... cette application, c'est sur tous les téléphones intelligents. Et ensuite, vous allez devoir le télécharger, l'application, et ensuite créer un compte. Alors, nous serons à l'arrière après s'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Je suis là pour vous accompagner. Et ensuite, il y a, pour ceux qui ont l'application qui n'ont pas reçu l'aide de rappel, il y a le code QR à l'arrière, juste la photographier et ça va être très, très facile d'y adhérer. Alors, je suis là, je vous encourage grandement et déjà ce matin, c'était un moment béni. Vous n'imaginez pas que vous venez ici dimanche matin et écoutant la prédication, déjà vous étiez déjà dans le bain depuis la semaine. Et c'était un moment béni, j'ai appris beaucoup de choses parce que le texte qui a été lu par Dieu, c'était un texte qu'on est en train de manger toute la semaine. Alors, bon dimanche et bon plan de lecture. Merci. Merci, mon frère Alex. Alors, on est vraiment venus de pouvoir lire la parole de Dieu et encore mieux en famille. Puis, on va continuer à nous adhérer à ce plan de lecture. Et puis, pour la suite, il parlait des Pâques. Et c'est ça, l'invitation pour les Pâques, la fête des Pâques. L'organisation de la fête des Pâques, c'est une grande fête. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Le triomphe de Christ, la résurrection. On va passer pour fêter ça. C'est vraiment un cadeau du ciel. Le 31 mars,
Mais comme en tant que fête, on doit l'organiser, alors on va inviter à toute la famille, toute la communauté à se diriger vers Caroline et Willy pour s'organiser, pour se ressourcer. On a toutes sortes de besoins, on part de la nourriture, de l'organisation. Et c'est intéressant qu'en famille, on partage les tâches. Hein. OK, tu fais ça, c'est une équipe. Alors, si vous disiez, est-ce que je peux faire quelque chose? Tout le monde est invité. On peut tout faire quelque chose. Il faut s'impliquer, c'est ça qu'on veut, en tant que communauté, nous connaître mieux. Et c'est le temps qu'on passe ensemble qui nous fait connaître mieux les uns aux autres. Alors, c'est ça. La fête de Pâques, le 31 mars, et puis c'est ça, le comité social, je répète encore une fois, vous pouvez voir Caroline et Willy, ok? Et puis, il y a aussi des annonces pour la soirée des baptêmes. Voyez-vous, les baptêmes, et on a une liste, on a une liste pour les baptêmes. On va prier une église pour les candidats au baptême, je vais les nommer Ariane, Christavi, Connie, Guylaine et Sarah. Et puis chacun et chacune, on doit prier pour eux. Et puis maintenant, j'entends qu'Église, on doit remercier Dieu pour les gens qui veulent vraiment publier devant tout le monde, dire « Oui, j'ai reçu Jésus-Christ, mais ce n'est pas seulement « J'ai reçu Jésus-Christ, je vais lui suivre ». Ça, c'est la partie la plus difficile. Hein. Essayer d'être comme lui et de montrer devant tout le monde. Oui, je veux passer par les eaux de baptême. Et puis, on va prier pour eux. Si on peut nous lever un moment, on va prier pour chacun d'eux. Je vous invite à vous lever. S'il vous plaît, on va prier pour les candidats au baptême. Ariane, Christavi, Connie, Guylaine, Sarah. Que le Seigneur lui fortifie, qu'il lui aide dans sa vie chrétienne. Seigneur, merci pour chacun et chacune de nous. Merci pour cette communauté qui grandit. C'est ton église, ton corps, c'est ton œuvre. Tu as donné tout pour ton église. L'église t'appartient, Seigneur. Et puis, nous bénissons Ariane, Christavi, Connie, Guylaine, Sarah. Merci, Seigneur, pour la décision de prendre ce pas d'obéissance publique et de dire, oui, je veux ouvrir. Je vais passer par les eaux de baptême. Merci pour l'Église baptiste de Pont-au-Tremble. Il va avoir cette baptême. Merci Seigneur pour tout le monde qui veut s'adhérer à l'Église, qui continue à te suivre, Seigneur. C'est difficile, c'est pas facile, mais dans ta force, Seigneur, dans ta grâce, on peut y aller un jour, à la fois, avec la foi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous bénissons le 30 mars, le samedi 30 mars, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Et puis, encore une fois, je vous invite dans les communautés. On a un comité d'organisation pour les AGA. Et ça va venir le 7 avril à 1h. C'est important, les AGA, les assemblées. Alors, séparer des temps, c'est que c'est pas évident, on a beaucoup des obligations et tout ça, mais en tant que vie d'église, on a vraiment besoin des soutiens de toute l'assemblée. Comme ça, ça va fonctionner de la meilleure manière pour le Seigneur. Et puis, à guise de bénédiction, je vais vous lire Apocalypse 20 et 20-21. Celui qui atteste ces choses dit « Oui ». J'ai bien bientôt. Amen. Bien, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bonne semaine pour tout le monde.